أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات
وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وخاتمهم سيدنا ونبينا ومولانا وسراجنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم الصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا ونبينا محمد الذي أفصح القرآن بجميل ذكره إنك لعلى خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم ورفعنا لك ذكرك فما ذكر الله أحد بالأحدية إلا ذكره بالمحمدية العلمية C'était un honneur pour moi, en cette énième fois, d'éclairer la lanterne de la communauté musulmane de la vie de ce grand homme qui a été envoyé comme lumière pour l'humanité, comme guide, comme exemple parfait de toute génération. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ce thème sera organisé autour de trois idées essentielles. Premièrement, présenter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le prophète? Et le deuxièmement, présenter les miracles du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le plus grand miracle du prophète Mohammed parmi tant d'autres? Et le troisième, pourquoi il faut respecter le prophète? Nous allons montrer et vous rappeler la grandeur de cet homme qui est Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais avant tout, je voudrais dire merci à toutes ces braves femmes, à tous ces hommes religieux, à tous ces chefs coutumiers, chefs traditionnels, d'avoir venu, n'est-ce pas, honorer cette cérémonie. En même temps, je voudrais profiter à vous dire que c'est de vous Allah subhanahu wa ta'ala parlait dans un passage du Coran où Allah nous disait Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum. Wa yusabbita aqdamakum. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum. Wa yusabbita aqdamakum. In tansurullaha yansurukum. Wa yusabbita aqdamakum. Yansurukum. Wa yusabbita aqdamakum. In tansurullaha Allah subhanahu wa ta'ala nous disait Oh, vous qui avez cru à Allah Si vous faites triompher la cause d'Allah Allah vous fera triompher Et raffermir vos pas Donc, c'est de vous Vous qui avez effectué le déplacement pour venir écouter les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Alors, qui est le prophète? Manhua Muhammad. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enfant, un prophète prédit par Allah subhanahu wa ta'ala avant la création de Adam, avant la création des cieux et la terre, avant toute créature. Et le prophète, c'est une lumière, une partie surtout de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre avant Mohammed, a créé les cieux et le arche avant la naissance de Mohammed. Mais avant, la lumière de Mohammed existait. Au moment où Allah a voulu créer un représentant sur la terre, il a commencé par Adam. Adam, qui est le grand-père de toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala l'a confié la lumière du prophète. Cette lumière a été confiée à Adam pendant des siècles. Dans le paradis, les anges se cachaient. Regardez Adam. Regardez Adam. S'étonner de lui. Mais Adam ne savait pas pourquoi tous ces anges lui fixaient, lui cachaient les regards. Alors a demandé un jour à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, pourquoi tous ces anges, c'est moi qui regarde. Allah, pourquoi tous ces arbres qui sont dans le paradis, tous ces serpents, tous ces oiseaux, c'est moi qui regarde. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam, je t'ai confié une lumière d'une personne pour laquelle je t'ai créé. Sans lui, je n'allais pas créer ni du paradis, ni surtout de l'enfer. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dira après que Inna Allah zawali al-arda faraitu masharikaha wa magaribaha wa inna haza dina la yablugan namazu yali. La yansuran Allahu hadha din bi izzi azizin aw bi zulli zalilin izan yu'izzu Allahu bihi al-islam aw zullan yuzillu bihi al-kufra. Allah nous dira, s'il vous plaît, le prophète nous dira, vous qui avez cru, si vous voulez ou pas, faites triompher la cause d'Allah. Sinon, moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu en rêve l'est et l'ouest, gauche et à droite de la terre, en songe. Et Allah m'a révélé que l'islam arrivera à tous ces coins. L'islam que nous avons commencé en discrétion à la Mecque ici arrivera au l'ouest de la terre, sinon à l'est, le nord et le sud, l'islam arrivera. Et Dieu va faire triompher cette religion, soit avec la richesse d'un riche, la grandeur d'un grand, sinon la pauvreté d'un pauvre, la soumission d'un rien-né. Donc, je demande à tout musulman qui avait cru, qui a cru à Allah, de chercher à être le premier de rentrer dans la course de ceux qui veulent faire triompher la cause d'Allah. Sinon l'islam, avec nous ou pas, l'islam va triompher. Si vous avez constaté le Mauloud,
qui commémore la naissance du prophète, on ne le faisait pas en Arabie Saoudite. Mais toutes les chaînes étrangères ont démontré que le Mauloud a été fêté cette année. Donc ça veut dire, on va un peu, nous allons attacher le drapeau de Mauloud sur la Kaaba. Inch'Allah. Et ceux qui n'ont pas compris, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Le Mauloud, on doit le fêter. Donc j'ai dit dans mes titres que je vais présenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, avant sa naissance, où Adam se cachait des anges à cause de cette lumière qui éclairait surtout le paradis, un jour, cette lumière a été transférée à l'enfant de Adam, qui était Shis. Adam conseilla Shis un jour. Oh mon fils, voilà aujourd'hui, toi tu vas m'héritier. Mais tu viens de prendre une garantie. Qui n'est pas à mettre dans les bêtises. Bêtises avec. Car c'est la lumière du dernier prophète qu'Allah enverra sur la terre pour sauver l'humanité entière. Okay. Et qui s'appellera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au fil des années, cette lumière, avec la bénédiction surtout de notre grand-père, le patriarche Ibrahim, alayhi salatu wa salam, qui a prié, qui a médité, qui a surtout imploré Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah fasse de lui, ses descendants, un prophète. Okay. Qui va enseigner la religion à ses disciples, à ses enfants et à ses petits-enfants qui sont, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite. Alors Dieu, un jour, a exaucé, n'est-ce pas, cette prière. Bajilu al-mashayikha Fainata bujilahum Tanzimun li jalalila Fainata bujilahum Tanzimun Fainata bujilahum Je sais que Bajilu al-mashayikha Fainata bujilahum Tanzimun li jalalila Bonyanike ali mashaiha arashi khuru bonya feina tabujila umu muso shekhu bonya tanzimu obe bonya leye nika shekhu bonya obe bonya leye torika shekhu bonya obe bonya leye Salama ya Sheikh Bunya, Obe Bunya le. Si koroba ya Sheikh Bunya, Tazimu, Obe Bunya le. Allahu Allahu Subhanahu wa Taala. Aka Muhammadu Dama. Obi on est en français non. Alaka Muhammadu Dama. Noro yele mana kabo Adam na kana Shisala.
okma shisa adam ya ladu o ne iyere torosi ne kana ko juke ne kana chienke ne ala e lumière de le carfane du ma o lumière yele mana il est là wo le bi la bi mbe mi nyini fe kana lumière bla parti la la kana bla ko jula kana bla nyamo ya lande sabo ala ka di la ban na nyue na nyue mu mbe na ta ka na nyue ku vi o noro le bi e la di Shisa Touraoula. Après avoir conseillé Shis, au fil des années, Noro Yelemana, jusqu'à arriver à Abdullah pour prendre du temps. Donc nous sautons les autres pour arriver sur Abdullah. Abdullah, qui est le père biologique de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abdullah, il se promenait. Toutes ces femmes de la Mecque lui faisaient la cour. Parce que les femmes voyantes voyaient en lui une lumière éclatante. Alors un jour, Abdullah demande en mariage Amina. Ce qui se passe, c'est passé. Qu'on ne peut pas tout dire. Alors le jour de la Konyomousso, le jour de la première nuit, nuit de noces, alors cette lumière a été renvoyée dans les ancêtres de la vieille. Amen. Alors, Amina, un jour, couchant, dormant, attend une voix. Koya Amina, Hamilti Bikhairil Alami, Fehiza Waladuhu Fasamihi Muhammada. Ko Amina, tu viens d'être en grossesse d'un enfant. Qui sera le dernier prophète. Alors Amina, après avoir fait accoucher cet enfant, il faut l'appeler Mohamed. Parce qu'il s'appellera Mohamed. Aïcha, étant enceinte de cet enfant qui est Mohamed, elle n'a pas eu tout ce que les autres femmes rencontre dans la grossesse, c'est-à-dire les vomissements, la nausée, la fatigue. Alors Aminata n'a pas eu tout cela. Au dernier moment du grossesse, où cet enfant viendra dans le monde, Aïcha, Amina. Amina voit quatre femmes venir la soutenir. Et ces quatre femmes, selon d'autres révélations, il y avait Asiyatu bint Muzahim, il y avait Mariam al-Azra. Cet enfant est né propre. Selon d'autres révélations, qu'à l'accouchement, il y a un oiseau blanc qui est venu, n'est-ce pas, masser le ventre de Amina. Donc qui a facilité, n'est-ce pas, l'accouchement. Donc je disais, Allah nana l'a dit, Amba Amina, Aka Muhammadu Konota Mike. Wahayuke Bradu Wahayuke Kana Abdullah. Abdullah,
ika furu mikeni ika aminata furu bishina alaba nyinine fe ko karfar mi bi ika danaya mini alaka karfeima lumière mini alaka bla ikono abi e lumière bila oh a l'on laisser la bicoïka bla denzola moso mi kanga ka de ngolo ode aminata yi okma abdullah ala ko bishina ikase aminata ma pour que lumière yi aka bla aminata konono ki aminata bena de ngolo donc mi be teme boni yonte o temera ala subhanahu wa ta'ala atula sibayala o shube aminata lala aminata shigola shigoka ina na fo aminata yi ko amina oh ala ka die laban na nyeme mina ka fisani na nyeme pe minia le kama ala e arjone dan ale kama ala e jahannama dan ni ale te adam tu te dan o konon de be e konon bi aminate ok mani na na wolo a wolo ko muhammad sa fe de to de ko muhammad die laban e a to be na ke muhammad a san fe o be na wolo mahmoud ola amina aide en konota muso be fe on fe soro ka to konola de aminata ma udoi aminata telefono aminata tesno robake aminata na dominina a degria aminata kafo abigel la kajan a desel kala kajan kafo abila kabri a desel kala kabri aminata mo yi konena okma lomi alabena de wolosa okma aminata lonkela ko ko kononi donana kana aminata konon masi donc qui a facilité n'est-ce pas l'accouchement on est ka wolo noya aminata ma foka teme okma wolo noya la mike wolo de no wolo la dowe joru ni bebo komba ukaya fama aminata muhammad wolo la abe sanima abarakuru tike ninne a kene donine parfum baka okma na fe a kalin la nime ala wajabi wulanta ni ayinu meselaba wajabi wulanta ni karale ayinu meselaba wajabi wulanta karale ayinu meselaba kemala kafia rasi mojela kemala kafia ça fait ni en wolola o veni takido kenela muhammad wolola ajudo ni kenela ni en wolola o veni takiko ka jori bula muhammad wolola jori kintala ni en wolola o veni takii mutula muhammad wolola turu jumbala ni en wolola o yasro o de koloni ni farfen o be ko bela jenisa muhammad wolola a parfumer dans la minana muhammad wolola kale ne tube anyana muhammad nana muhammad chekeng o sam melekeu dukoro jina una ou ben nana Muhammad Kaworo assisté à quel âge ni mike meleke otra Muhammad takatununa et apamsoma katra samro funai kanadu mo katra samro vlana mo funai kayara kadie be funai ko ala tu ben nanyeme mi fora le dernier prophète qui a été prédit dans l'évangile dans le Coran vient d'être né alors c'est celui-là donc il a été présenté à toutes ces anges du ciel alors Allah subhanahu wa ta'ala onana Muhammadu di abamsuma a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala Allah nous dit ya ayyuhan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila abi famoa donc Allah subhanahu wa ta'ala dis d'abord à Mohammed, nous t'avons envoyé en tant que témoin pour que vous qui êtes les musulmans, vous qui êtes les croyants, vous qui êtes les femmes, vous croyez à Allah et à son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité. Le glorifier jour et nuit.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela. Donc c'est déjà un miracle. C'est une obligation pour nous de respecter ce grand homme. De parler de ce grand homme. D'organiser les cérémonies, les séminaires, les prêches, seulement pour parler de ce grand homme. Quiconque adore Allah qui ne veut pas Mohammed est un kafri, est un mécréant. Je veux Allah moi et je ne veux pas de Mohammed. Tu es un kafri. Et celui qui veut Mohammed, qui ne suit pas Allah, est un kafri également. ما ذكر الله أحد بالأهدية إلا ذكره بالمحمدية العلمية. Personne ne peut avoir la foi en Dieu sans avoir la foi en Mohammed.